Coucou les gars, c'est parti pour un vlog. J'arrive pas les vlogs, j'arrive trop. Là du coup, on va à Londres pour un petit week-end, il reste 3 jours. Ouais, donc voilà, on a été invité par la marque Nuera ce dimanche pour aller voir un match de football américain. C'est trop bien. Donc ça va être grave stylé. Donc nous on a pris quelques jours avant pour se balader un petit peu et tout. Ouais, profiter un petit peu et puis voilà, on vous emmène avec nous comme d'habitude. Voilà, comme là on est vendredi et on va rester jusqu'à lundi. Voilà. Et puis on va essayer de profiter un peu. On n'a jamais fait Londres tous les deux. Ouais, de ouf. On l'a déjà fait. Et ma peau qu'elle est même pas bien collée, wesh. C'est notre première fois à Londres ensemble. Voilà. Du coup, je suis excitée. Là, je vous cache pas, je vais dormir. Je suis archi KO. Moi, j'ai bossé un petit peu. Ok, guess, si tu veux, y'a pas de soucis. Peut-être que je vais faire des jeux sur l'iPad. Pourquoi pas? Peut-être. Voilà. Bref, là, on est dans l'Eurostar. Bah, après, on vous reprend dès qu'on arrive en fait. Voilà. Allez. Regardez, j'ai fait maison hier. On est fatigué. Chunda. Voilà, j'ai fait Tu sais que sur tous les vlogs, tu montes tes ongles. Bah en fait, il faut en fait. Oui, Eh, s'il vous plaît, ces ongles, on dirait pas des... Tu m'as fait mal. Pardon. Fait... Notre Eurostar, on dirait pas des couteaux. Les blagues en 2002. Non mais ouais, c'était la blague. Votre pote, il est complètement fêlé. Je suis obligée de vous reprendre avant parce que lui, il est complètement... Dis-nous ce que t'as écrit dans ton Instagram. sur son Snap. Il a mis You For Real. À Londres, voilà. Wagwan Femme. Wagwan. Tu sais les expressions de là-bas. Moi ça me tabasse. Ça me tabasse. Le bout là il est dans ton poil. Excuse-moi. Tu parles pas. Docteur, je suis beau. T'as dit quoi? Docteur, je suis beau. Du coup les gars, vu que là on va à Londres, notre forfait là-bas, il ne marche bien évidemment pas. On a pris. C'est pas du tout une collab. On a pris notre puce. On a pris des puces virtuelles en gros sur Olafly. Je vous mettrai le site, etc. Vous avez juste à dire où vous allez. Après, c'est pas partout, mais en tout cas, Londres ça marche. Vous avez juste à dire où vous allez et vous pouvez prendre une eSIM en fait. Vous payez et après vous l'intégrez dans votre téléphone. Après, vous pouvez avoir du réseau, etc. Genre là, pour 5 jours, on a payé 19€. Bah, en gros, bah, on aura du réseau illimité pendant 5 jours. Mais je crois que c'est plus pour internet et tout. Les appels, je sais pas, parce que t'as pas de numéro, c'est vraiment je les données. Du coup, voilà, pour ceux qui ont posé la question, je mettrai le site comme ça, vous pourrez voir. Voilà. Les gars, on est arrivé. C'est bon. On va commencer à parler un peu anglais, t'as capté? Tout le séjour là, je te laisse parler. Bon, il s'agit de se perfectionner un petit peu. Hein. Ok. Donc, hi everybody. How are you? We come in London, so come with us. C'est bon ou pas? Wesh. C'est bon ou pas? Oui. Voilà, on y va, allez, tous les cas. Attendez, là je suis sur City Mapper, prendre les transports pour aller à l'hôtel. Donc nous on a pris le Moxie, du coup va falloir qu'on aille prendre nos outils sur les transports. On vient d'arriver à la gare, première mission. Trouver comment s'acheter des tickets de métro ou la petite carte là pour avoir un petit forfait au week-end. On est déjà perdu, oui. Donc on est déjà perdu, on sait pas où aller. Non, mais ça va aller. Mais on va trouver les gars, restez branchés. Les gars, on va enfin trouver le ticket, le Graal. Du coup pour la Oyster Card, il faut qu'on aille dans les couches de métro genre. Mais on n'a pas trouvé. Ben, on va en prendre une tout à l'heure. Là, on va à l'hôtel seul. Parce qu'on pose les bagages. Après, tu connais le centre commercial. Bon, les gars, là, on est en train de marcher. Et faut voir la galère que c'était pour le ticket là. Non, c'est trop. Là, on a 12 minutes de marche jusqu'à l'hôtel. Je sais pas, on s'est cru où. Peut-être qu'on veut pas prendre les transports. Franchement, on est terrorisés, je crois. Du coup, on marche. Vous allez me faire renverser. Et on tourne la tête comme en France là. Dja, c'est voiture qui arrive de l'autre côté. Vous regardez à droite, voilà. À gauche. Alors que chez nous, c'est gauche, après droite. Tellement on est du peur, on regarde dans tous les sens, je m'en fous. Je vais me faire écraser ici sinon là. Bref, je vous reprends dès qu'on arrive à l'hôtel. Voilà. Parce que là c'est chaud là. C'est parti!
Bon, tu sais, c'est quoi le danser là? C'est quoi le numéro de la chambre? 111, je crois. Ouais, ok, il a dit 111, c'est 115. Voilà, pareil. Ça commence bien. C'est à gauche. Mais Yoann! Ah ouais, un bouc, trop content d'être à Londres, wesh. C'est là, monsieur, tu vas où? Regarde. Let's go dans notre chambre. Donc voilà la chambre. Voilà. Franchement, c'est bien, même si on avait déjà testé cette gamme d'hôtels en Allemagne. On avait bien aimé. C'était cosy et tout. Donc voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente d'être arrivée. Je suis trop contente. Ok. Ousmane, tu bégayes? Ok. Wesh, l'équipe, on est bien arrivé à London. Donc là. Coïncidence de London. Là, je sais pas ce qu'on va faire. Mais il faut qu'on se repose en fait. Bon. Voilà les gars. Là, on va se. Je sais pas ce qu'on fait là. On fait quoi? On se pose un peu. Il m'énerve. Je vais vraiment pas passer 3 jours comme ça. J'ai la dalle. Attendez, maintenant je vous explique. On est arrivé à la gare. J'ai dit, j'ai faim. Il m'a regardé comme ça. Mais comment ça t'as faim? Non. Il est que 16h. Regardez, déjà, même pas 30 minutes après. J'ai la dalle. Va là-bas. Quand c'était moi, tu m'as. C'est bon. On peut reconnais plus dire. Reconnais tes torts là, devant tout le monde. Reconnais tes torts. Allez. Non. Si, et. Monsieur, c'est pas pour toi. Bon, j'avoue, tout à l'heure, j'ai dit ça et. Pardon. Quoi? Ça se trouve, nos prises, elles marchent. Du coup, Attends, je regarde si les prises sont prises. Bref, là, je sais pas ce qu'on va faire, mais de toute façon, si on fait quelque chose de spécial, on vous reprend. Le centre commercial, il est juste à côté, les gars, c'est trop bien. Le plus grand centre commercial d'Europe, je crois. Il est juste à côté. En plus, il y a le magasin Morphy. C'est gâté. Mais ça, c'est des prises normales, là. Non. Ça? Là, oui. Là, il y a une prise normale. Ouais. Hé, hey, mais on n'a pas besoin d'adaptateur. On va regarder. On va regarder. Il y a une prise. On va regarder. Bref, à tout à l'heure, les gars. Tu viens dire à tout à l'heure, s'il te plaît. Salut les gars, donc là on a déposé nos affaires à l'hôtel et là on est sorti un petit peu pour aller acheter des adaptateurs parce que déjà on n'a pas les adaptateurs. Ah oui, j'avais oublié ça. Et puis on va aller manger un petit bout aussi. Quel un petit bout? Un gros bout. Un gros bout. Je corrige, un gros bout. Un gros bout. Voilà, ouais. En fait tout à l'heure là, vous savez quand j'ai dit oui, ouais c'est 12 minutes là. Et en fait on a fait tout le tour. Là Yoann il va vous montrer, vous regardez. Allez voir si. Elle est juste là, la passerelle là. Juste là. Il y a une entrée, je crois. Ouais, il y a une entrée. En fait, il est énorme, genre. Ouais. Bah, en fait, on a fait tout le tour, mais en fait, on était juste à côté, en fait. De ouf. L'hôtel, il est vraiment juste à côté. Et bon, c'est trop bien. On a marché de ouf, choqué. Alors que des c'est pentes, juste là. Des trucs. Alors il y a un Burger King. Il y a un Lidl, il y a un McDo. Mais il y a les trucs ici. Et... Mais non, mais en fait, il a pas compris. Le centre commercial, il est balèze. Il y a tout, wesh. Il y a tout juste à côté. C'est trop bien. Ouais, ça va déjà, hein. Ça va barder. Ça va barder. Donc là, direction le centre commercial. Alors, tes impressions? C'est mon centre, wesh. T'es pressé? C'est mon centre, je connais par cœur. Faut laisser. Là, tous les jours, t'y vas. Eh, c'est mon centre. J'ai capté. Je l'aime trop. Moi, je vous explique, ça fait 2-3 magasins qu'on fait, on trouve pas ce qu'on veut. Après, juste ça, on cherche pas bien parce qu'on est débordé, qu'on a faim. C'est ça. Parce que comme on a le ventre vide, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien à chercher. Je te jure. Mais on va tenter celui-là. White Rose. Le White Rose. Je sais pas si. Mais on dirait qu'ils vendent que de la graille là. Je comprends pas. On va voir. Hein. Vendre des trucs de charger le téléphone là. C'est quoi ça? Bon. Échec. À chaque fois qu'on prend la caméra, c'est pour dire qu'on trouve pas. Franchement, je sais pas, on trouve pas. Nous aussi, quelle idée. On savait, mais. On savait, mais tu
japonais, toujours, ouais, t'inquiète, on va acheter là-bas. On va acheter là-bas. T'inquiète. C'est ça. Alors non, en vrai, là, on va aller manger. Je pense qu'on va aller manger comme chez Nando's. Comme ça, on va mieux réfléchir. Nando's, c'est la base. Moi, j'aime trop Nando's personnellement. Moi aussi, je connais Nando's, moi. J'avais déjà mangé deux, trois fois, ouais. Un truc comme ça. Je pense que c'est super bon. Enfin, bon. Je trouve. Allez, let's go. Bon, bon les gars, vous avez vu là les restaurants, nous on va aller à Nando's, je pense. On va voir si c'est des trucs qui nous plaisent. Mais que Nando's, tu connais, il faut qu'on mange là-bas. Bon les gars, on a fini de manger. On a le ventre plein. J'ai tapé ça parce que je savais que c'est pas maintenant que je vais remanger ça. Ça veut dire que je me suis envoyé les gars. Non, c'est tout. Non, faut se faire plaisir dans les la vie. Bonnes wings. Et on sait que ce resto il est pas en France donc. Vas-y. Fallait se dire un peu. Fallait. Faut rentabiliser, wesh. Donc voilà. Là, je pense qu'on va rentrer à l'hôtel. Non. Si. Si. Ben non, t'as dit on a acheté des petits masques pour faire des sons du visage. Ah ouais, bah, vas-y. Vas-y, c'est parti. Regardez là, on devait rentrer. Regardez, elle fait quoi? En fait, je teste. Y a pas de miroir? Bon là, j'ai un pull, donc c'est balèze là. En fait... gros, t'es juge, gros. Ah, t'as trop la rage. Nous, on a laissé mon sac là-bas. Ah oui, mais je l'avais. Je l'avais dans les mains. Mais il est là, tu dis... Arrête de me zoomer comme ça, je suis là. Non, en vrai, la couleur, elle est belle, non? Ouais, franchement, la couleur, elle est bien. Mais avec le... C'est ton problème. Non, mais pas comme ça. Imaginez, genre, je suis habillée classe et je mets... Avec le petit pantalon comme ça, là? Ouais. Ouais. J'avoue. Bon, après, il faut qu'il taille bien. Bon, les gars... Là, je suis tellement fatiguée. Alors les gars, on est passé dans une petite supérette. On a un peu de dentifrice parce que comme des coteaux rep, on a oublié une autre. Des petits Nutella, tu vois, casse dalle. Ça c'est elle, hein, c'est votre copine. Ok, donc lui il gaze. Il a pris un Mars. Ok. Un Mars? Mais pourquoi tu dis je m'en peux être comme ça? Tu crois que c'est mieux? Ah mais Mars. Je crois que c'est aux légumes. En fait, comme ton anniversaire c'est en Mars. Oui, allez. J'ai voulu prendre un petit truc pour carrément, toi, il a pris la même chose que moi. Vas-y. Ça, c'est... Ah ça, j'ai pas pris, hein. J'ai pris un déodorant parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié. Non. En fait, en y pensant, je me suis dit, mais j'ai pas mis mon déodorant. Voilà. Tu vois, comme ça, on sent la fraîcheur. Ah oui, je suis passée à Primark. Des petits hauts simples, vous savez. Comme ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Je vais voir, parce que j'aimais bien la matière et tout. Du coup, j'ai pris. C'était 8 pounds. Voilà. Un masque à l'abricot. Et des coton-tiges, pardon. Ouais. Pourquoi t'as pris abricot, wesh? Mais c'est pour les bienfaits. C'est. Mais t'aurais dû prendre un autre goût, abricot. C'est mais un goût, je crois que tu vas manger ou quoi? Non, mais abricot, c'est. Mais c'est pas pour manger en fait. C'est un masque, c'est pas pour manger. Oui, mais abricot. Et comment tu m'énerves? Alors, on a pris ça comme masque. Tu gaz. À l'abricot. Apparemment, il est pété. Voilà. Et on a pris. Ça, ça s'appelle comment ça? Mais c'est écrit. Cleansing. Non, mais c'est à quoi? C'est au blueberry. Et c'est quoi blueberry? C'est myrtille. Ouais. C'est ça? T'as lu ce qu'il y avait écrit? Bah non, il n'y a pas écrit myrtille. Si. Ah ouais, c'est écrit. C'est un poche. Bref, on va se reposer. Ouais, parce que. Je pense qu'on va. Tu connais, on va se regarder un petit film sur Netflix, se poser. Je pense, ouais. Tranquillou, se reposer. Et puis demain, on va voir. Enfin, on va regarder ce qu'on peut faire demain. Voilà. Et puis voilà. Salut. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Du coup, hier, j'avais une petite migraine et tout. Du coup, franchement, j'ai dormi tôt. Johan, le pauvre, était dans la chambre. Il était tout seul. Parce que, franchement, je dormais. J'étais KO. Du coup, là, on va prendre le petit déjeuner. Et en fait, je sais pas ce qu'on va faire de la journée. Franchement, tout ce qui est visite, etc., ben, on a déjà fait parce qu'on est déjà venu à Londres. Donc, franchement, je sais pas. On verra. Je suis explosée.
Yoann, ça va? Ça va et toi? Oui. Donc là, on va aller manger un petit coup, ça va nous faire du bien. Et puis voilà. Et sinon, j'ai super bien dormi. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Moi, ça allait. Moi, ça va mieux ma tête, donc ça va. Pas assez, mais j'ai bien dormi. Bon, après, tu peux dormir après. Bref, à tout. Le football, il est KO. Tout ça pour les gens qui aiment le sucré salé, c'est tout est carré. Et du coup, là, la carte, s'il vous plaît. Ah, la carte. Voilà la carte. Vous devinez très bien ce que je vais faire. On rentre pas à la chambre. Ton activité favorite, dormir. Oui. Une petite sieste. Et moi, je suis pas là pour souffrir, ok? Pour me reposer. Non, mais franchement, je comprends pas. Ça va être la sieste. Je comprends pas comment on aime autant dormir. Alors qu'elle vient de se réveiller. Elle s'est réveillée pour prendre le petit déjeuner. Bah, en fait, pour c'est. Manger vite pour bien redormir. Oui. Ou bien. Alors que, comme elle vous a expliqué, elle a dormi. Très tôt hier. Parce que j'avais la migraine, c'est pas pareil. C'était pas par plaisir. Bon, en tout cas, on se retrouve après sa petite sieste là et on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Toi, tu gazes comme si t'avais pas fait une petite sieste, ça va dormir. Bisous. Bon, les gars, je me suis vite fait préparer. J'ai fait mon petit make-up et tout. Là, je suis en mode j'attache mes cheveux parce que j'ai envie d'être à l'aise. Du coup, là, on va faire quelques TikTok, il me semble. Après, on va faire du shopping. Ouais, voilà. Parce que demain, on n'aura pas le temps parce qu'on va avoir les matchs de NFL. Et lundi, on rentre du coup. Donc, je préfère qu'on fasse notre petit shopping aujourd'hui. Comme ça, on est tranquille. Donc, voilà. Il fait des ajustements pour le TikTok, ça me dette. On n'a pas de trépied. Donc, on fait avec les mains du bord. Ouais. Bon, les gars. Non, parce que, attendez. Il est 14h37. Voilà. Ah, merde. Voilà, 14h37. Là c'est votre pote que j'attends parce que lui il aime bien, regarde, voilà pourquoi tu fais du boucan quand je parle. Lui il aime bien dire oui, elle est toujours en retard. Là c'est toi que j'attends parce que je travaille. Oh, l'envoie, arrêtez ça. On peut pas travailler. Bref, je suis trop pressée de faire du shopping. Purée, je suis trop pressée. J'espère que je vais trouver des petites pièces. Moi, et tout non. Je vais aller à Morphe, je vais prendre un bronzer que j'avais acheté là-bas et que j'ai pu. Faut que j'achète des gloss et tout. C'est gâté. Ah oui, et je sais très bien que Yoann, il déteste quand je fais du shopping. Mais aujourd'hui, là, je vais m'en foutre d'une manière. Franchement, tu vas supporter. D'habitude, j'ai pitié, je me dis, vas-y, je fais vite parce qu'il aime pas et tout. Eh, aujourd'hui, tu vas supporter, mon pote. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas supporter le shopping. Si t'es trop fâché, là. Je rentre à l'hôtel, hein. Mais faut rester alors. Ça veut dire que j'aurais pu partir depuis longtemps. Mais toi, je sais que très bien, tu vas jamais me laisser aller dans la cahier londonienne. Alors arrête. Allez, let's go. Ah, moi, je savais pas qu'il y avait une boutique à Sofsibi, wesh. Oh my god, je suis trop contente. J'espère que c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir. Mais ouais, je savais pas du tout. Les gars, je suis passée chez Morphe. Pardon, voilà. Mais je suis deg, il n'y avait pas mon bronzer que je voulais. Du coup, bon, je suis un peu patraque. Mais j'ai pris des petits trucs. Bon, ça m'a fait 21 pounds. Et je vous montrerai à la maison. Enfin, je sais pas si je vais vous montrer. Mais je le dis quand même. Donc là, on va passer chez JD. Peut-être que Yoyo va trouver des bonnes peut-être, pièces. Peut-être, on sait pas, on va voir. On verra. Allez. À tout. Les gars, j'ai une tête de ouf parce que j'ai fait des essayages. J'ai trouvé quelques pièces chez Primark. Voilà. Donc là, comme on est débordé, enfin, je pense que plus Yoann, puisqu'il m'attend et tout, on va prendre un truc à boire, manger un petit truc. Et après, c'est reparti pour le shopping. On lâche pas, voilà. Allez, bouge pas. Mais franchement, il m'a été d'une grande aide, hein. Yoann. Bref, à toutes.
pour l'équipe. On attendait Océane là. On va s'hydrater un petit peu parce que là, je vous dis là, il faut avoir du cardio. Hein. Eh les gars, faut vraiment avoir du cardio. Donc là, j'ai pris une petite boisson que je connaissais pas. Voilà, multifruit. Citron pressé. C'est plutôt bon, c'est rafraîchissant. Donc voilà, là, j'ai la dalle. Donc là, on va prendre un petit grec. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas, restez branchés, la famille. Allez. Waouh. Et ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors, ça s'appelle Gyros 1000. C'est avec du porc, du pancita, du salade, du... Et on a pris supplément... Ah, il y a du tzatziki, je crois. On a pris supplément feta. Il y a de la feta. Waouh. Ça va être trop bon. Ah, c'est vraiment pour ça. Ça me rappelle... Non, ça fait. Ça me rappelle vraiment la Grèce. Attends, attends. Film avec le supplément feta. Waouh. Ça va être trop bon. Et l'équipe, ça m'a déjà. Moi, j'ai envie de dormir. Franchement, là, ça m'a mis KO, wesh. C'était grave bon. Voilà, elle est toujours en train de manger. Franchement, j'étais venu manger il y a quelques années ici. Ouais. Je m'étais dit que quand je reviens là, je retourne ici encore. C'était trop bon. Là, je me jette encore. Voilà. Regardez, il reste même pas. Alors toi, vraiment, t'as tout. Ouais. Là, c'est au tour de Yo-Yo d'essayer des jeans. Moi j'ai fait le plan. C'est parti. Tu sors dès que c'est bon. Trop bien. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai pris. Purée. Je pense que je vais faire un haul sur ma chaîne. Genre, je vais montrer tous les produits que j'ai achetés. Genre. Faire le shopping avec un homme aussi, c'est pas facile. Hein. Il est là. Oh, mais ça va pas valer. Non, ça j'aime pas. La couleur. Du coup, là, il fait que de murmurer dans sa barre. Je sais pas si c'est ça l'expression. Mais vous avez compris. Les gars, comme d'habitude, j'ai rien trouvé. Non, si. Attendez, je vous explique. Il avait trouvé des trucs. Maintenant, le bug, il essaie des trucs qui ressemblent exactement à ce qu'il a à la maison. Comment? Comment tu fais ça après? Quand tu dis, ah, mais c'est vrai que ça ressemble. Mais oui, tu vas pas acheter deux fois le même truc. C'est vrai, je vais pas acheter le même, enfin, deux fois le même truc, pardon. Eh, on va ça. Mais viens, on va découvrir là-bas. Ah. Ça, tout va fermer. On va même pas savoir. Voilà. Mais demain, c'est bon. Il y aura le temps. Ouais. Voilà. Trop méchant. Ça, c'est parce que ça, mais demain il n'y aura pas le temps, on se lève tôt. Demain ça c'est en fait c'est la rage qui te fait. C'est la rage qui te fait parler comme ça. C'est la rage. Comme t'as rien trouvé, t'as la rage. T'as trop la rage. Ouais. T'as trop la rage. Voilà, t'as trop la rage. T'as trop la rage. N'importe quoi. On a fait du shopping que pour elle. C'est parce que t'as rien trouvé. Tous les sacs, c'est pour elle. C'est parce que t'as rien trouvé. Ça, c'est la rage qui parle, je vous ai dit. Regardez, tout ça, c'est elle. Quand on a la rage comme ça, non, je comprends pas. Hein. C'est la rage qui parle. C'est parce que t'as pas... Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, oui. Tu vois, quand tu dis des bêtises, voilà. Là, dis-là comme il fait chaud. Oh, ils ont clean the room. Oh, c'est trop délicieuse. Les gars, j'en peux plus. N'importe quoi. Tout ça pour ça. Les gars, j'ai tellement mal. Vous savez la plante des pieds là. Purée, on dirait que j'ai marché, j'ai fait de la randonnée mon frère. Eh les gars, ici là. Quand vous avez beaucoup d'argent, c'est d'où il y a plein de trucs que j'aurais tellement voulu acheter. Mais ah, faut pas abuser, pas de place pour rentrer, faut pas être fou. Bon les gars, du coup, on allait manger, etc. chez Shake Shack. Je crois que c'est ça. Du coup, c'était très bon, j'ai pas pris la vraie parce que franchement, j'avais la flemme de vlogger et tout. On a mangé, après on allait au McDo, on a pris des apple pie. Voilà. Elle qui fait ça sur les lits à l'hôtel là. Mais arrête, Yoann! Du coup, je voulais vous dire un truc, parce qu'il y a une abonnée qui vient de me dire que pour les transports, on pouvait utiliser sa carte bleue, genre en sans contact. Paf, paf, et tu passes ta carte bleue. Mais ça, c'est génial. Donc, demain, on va essayer, parce que demain, c'est le grand jour. On va aller voir le match de NFL. On va tester demain, en fait.
Là, je crois qu'on va changer de chambre parce que la wifi, ça marche parce pas. Parce qu'elle a cassé la wifi. MDR. La wifi, elle marche pas bien, donc je crois qu'on va changer de chambre. D'ailleurs, depuis, ils nous ont pas donné des nouvelles. Ça fait plus de 15 minutes. Hein. Ouais. Demain, c'est parti pour le match de NFL. On est trop pressés. Allez, bisous. Doucement, Yvonne. Quoi, wesh? C'est l'amour, wesh. Bien sûr, là, c'est l'amour, wesh. C'est l'amour. Allez, bisous. Ah oui, j'avais mal. Du coup, j'ai préféré l'enlever mon ongle. On s'en fout. Ah, c'est l'amour. Allez, salut. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 10h. Je vais descendre au petit déjeuner parce que Yon, il est déjà descendu. Il était trop pressé parce que du coup, on va rejoindre le reste de l'équipe. Magasin New Era qui est pas loin. Donc on va prendre les transports. Donc on vous emmène avec nous. Donc c'est parti. Ça me calme, hein. Je me suis dit, il a pris les affaires et tout. C'est pas, j'arrive, je vois, il y a l'appareil qui est posé. Je lui ai demandé s'il a fait exprès de laisser l'appareil pour que je le prenne ou s'il a vraiment oublié l'appareil. Là, les gars, petit déj express, il est 10h08. Je sais même pas si on aura le train. On va voir. Bon appétit. Merci à toi aussi. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si. Avec nos téléphones, on peut passer, vous savez, les portiques. Vu qu'il y a un abonné à moi qui m'a dit ça, on va tester. Si ça marche pas, là, on va tous se regarder aujourd'hui. Équipe, test réussi. Ça marche. Ça fonctionne, les gars. Donc, on a passé notre carte bleue. Ouais. Et du coup, pas besoin d'acheter de Oyster Card ou je sais pas quoi, genre. Ça passe direct. Après, dès que tu sors, tu remets ta carte et je pense qu'il va comptabiliser le trajet que t'as fait, genre. Exactement. Mais je trouve que c'est une très bonne idée quand t'es du père, là. Tu viens, tu passes ton téléphone, c'est bon. Du coup, là, on va prendre le train. Voilà, au Fort Circus. Après, on doit marcher genre quelques minutes pour aller au magasin New Era et après, on rejoint les autres et c'est bon. Que ça marche. Imagine que ça marche pas. Aïe aïe aïe, ouais ouais ouais. C'est tout le monde qui me dit que ça marche. Aïe aïe aïe, ouais ouais ouais. Je suis mort. On est vraiment des touristes. Je te jure. Moi je suis là, je me balade avec ma peau de banane depuis tout à l'heure. Depuis tu veux jeter. Ouais, de ouf. Bon les gars, on est arrivé dans la zone de Oxford Circus. Là on va juste marcher, on va mettre le GPS. Et on va aller au magasin New Era. Je sais pas ce qu'on va faire là-bas, ils nous ont dit de les rejoindre là-bas. Donc c'est parti. On marche encore 2 minutes et c'est bon. Yo à Londres. Ça me dette comment on fait les touristes. Faut nous voir avec la caméra et tout. Voilà, là on est arrivé à Carnaby Street. Je sais pas si on prononce comme ça. Vous connaissez mon anglais bancal là. Faut laisser. Et voilà, on est arrivé devant le magasin. Trop bien. Lui il est habillé tout en New Era, ça me dead. Casquette. Plus le pull, plus le sac à dos. Attention, un bout prêt. T'as capté? On ouvre à 11h le magasin. Bah, de toute façon, on attend le reste de l'équipe, après c'est bon. On va attendre. Nous avons récupéré les petits cadeaux chez New Era. Là, on va aller au stade et puis c'est parti. Bon, c'est bon. On vient d'arriver au stade. Non, donc là, encore 10 minutes de marche. Là. Encore 10 minutes de marche, ouais. Bon, là, on est un peu dans l'ambiance. Il y a du monde, comme vous pouvez voir. Donc là, on se dirige tous vers le stade. Ouais. Il y a de l'ambiance. C'est trop bien. Hey! Pour un match! Tu vois, je vais gagner. J'espère aussi. Si il gagne pas, moi je suis pour l'équipe. Go pack up! Go pack up! Go pack up! Go pack up! C'est pas mon équipe? Ah non, 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 là! Je me fâche! Ouais, mais bon. Et bon, tu connais.
bien joué. Hey, on dirait qu'on est au space. Regardez là, il y a les joueurs. Hey, aussi. C'est une dinguerie. Salut l'équipe, donc là on est rentré à l'hôtel, on revient du match, franchement on est KO. Explosé, on mort. Est KO technique. En tout cas, les Giants ont gagné. Ouais. Donc voilà, c'est l'équipe qu'on supportait, enfin que je supportais. Moi je supportais les deux. Parce que elle, elle supportait les Green les Bay. Les deux, non les deux, j'ai dit celui qui gagne c'est celui que j'ai supporté. Non mais c'est pas comme ça dans si, un match. J'ai envie, il n'y a personne qui peut rien dire, j'ai envie, voilà. Mais t'as bien suivi le match ? Oui. Non, en vrai, de vrai, c'était incroyable. Une ambiance de fou malade, genre, c'était trop bien. T'es sûr que t'as bien suivi le match ? Bah oui, j'ai suivi. T'abuses. Enfin, bref. Voilà, là, on va aller chercher quelque chose à manger. Ouais. Et ensuite, on va se reposer parce que demain, on prend le train pour retourner à Paris, les gars. Faut faire la valise parce que comme j'ai fait des emplettes, faut tout caler maintenant. C'est pas des petites emplettes. Oh, franchement, ça acheté, va. Non, elle ça a va. Acheté tout le magasin. Non, ça va. J'ai pas pris des trucs de ouf. Ok. Tu me dis pas ok comme ça ? Non, mais je dis. Il a dit ok. Non, mais ok, genre, t'as fait tes petites emplettes, ok. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo prend une tournure, je comprends rien. Je sais pas. Eh, mon fossile, il est mal. Eh, vas-y. Eh, bref, les gars, là, on va chercher à manger. On va faire nos bagages, on va mimir et demain. Parce que là... Demain, c'est mieux. Voilà. Allez, peace. Le séjour touche à sa fin. On finit, c'est fini. On rentre chez nous. On rentre chez nous. Donc ce matin, on s'est un peu levé rapidos. Pas louper le train. Donc là, on est sur le quai. On a passé un bon moment. Le match était cool. Donc, bien, le shopping était cool. Donc ouais, le shopping pour elle était cool. Donc voilà, hein, toute bonne chose a une fin. Comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, on se retrouve à la maison pour vous dire un dernier au revoir. Ça, je sais pas, c'est pas sûr. Peut-être ça va couper ici. Peut-être ça va couper ici. Allez, voilà. Allez, bisous.